Les Blaugrana ne digèrent pas. Près d'un mois après l'annonce du départ d'Ousmane Dembélé pour le PSG, Henrik Masip, conseiller de Joan Laporta, s'en est en effet violemment pris à l'international tricolore. Accusé de grande trahison. « J'aime les bons joueurs mais je préfère les joueurs loyaux. Si un joueur a les deux, c'est l'idéal. » Dembélé avait déjà montré son manque de loyauté en refusant de prolonger son contrat. C'est facile d'embrasser son logo après un but ou de s'exprimer sur les réseaux sociaux, a ainsi confié le dirigeant catalan dans les colonnes de sport avant de pointer du doigt l'appât du gain auquel aurait cédé l'ancien Rennais. Il est légitime de vouloir gagner plus, mais quand vous êtes loyal, vous ne regardez pas l'argent et vous ne dites pas une chose un jour, et autre chose le lendemain, a-t-il poursuivi. Je préfère faire un pari avec un jeune du centre de formation ou avec Rafinha qui se donne à fond à chaque entraînement plutôt qu'un joueur imprévisible d'un jour sur l'autre. Débarqué au Barça à l'été 2017 pour faire oublier Neymar, et se moyennant un chèque de quelques 135 millions d'euros, le champion du monde tricolore a rejoint le club de la capitale pour seulement 50 millions d'euros. Le montant de sa clause libératoire.